Je m'apprête à coller le dossier. Donc, toutes mes traverses ont été sablées, montant sablé. Donc, je vais les mettre en place. Colle et en avant. Voilà, les serrer. Serrer l'équerre, attention à l'équerrage, ça. Mon dossier, donc on va laisser la nuit reposer, puis demain on va nettoyer et monter les marches et le dessus. Une fois collé, il faut nettoyer la colle, le tout, ce qui dépasse. Toutes les bavures de colle qui vont nous gêner au niveau d'entrée des marches, mais également au niveau de la finition, parce que ça va faire des taches. Alors, avec beaucoup de précautions, il faut enlever donc toutes ces petits défauts de colle et si on met moins de colle bien sûr on n'aura pas de tâches mais on risque aussi que ça ne tienne pas donc pour être sûr qu'il y ait de la colle il faut que ça bave un peu. J'utilise un ciseau à bois, coupe bien, mais on pourrait utiliser un grattoir en forme de lame d'ébéniste, qui est affûté comme une lame d'ébéniste, qui fait très bien l'affaire aussi. Voilà. Travail du dessus. Avec l'aide du gabarit, je l'ai tracé, découpé au ruban, et là, je m'apprête à le... comment à passer le couteau à copier au pourtour pour avoir la forme toujours égale à mon gabarit et aux autres chaises escabeaux. Donc le couteau à copier qui est là. Ma structure est remonter pour ajuster, finir d'ajuster mes pièces de marche et mon dessus. Voilà. Tout est préparé. Voilà, donc je vais ajustement des étagères ou des marches. Voilà, allez, mais dessus tout est manœuvré. Maintenant, on va assembler les champs, mettre la quincaillerie sur le dessus pour le fonctionnement, et puis c'est correct. Après, on va passer en finition.
Pour faire les entailles sur le dessus pour mettre des charnières de table, ici, je me sers d'un gabarit confectionné spécialement pour ça et une bague correspondant avec la mèche adéquate pour pouvoir faire mes entailles le mieux possible. C'est des charnières, j'ai trouvé des charnières à bourron, donc je suis un peu coincé avec, obligé de les faire à la toupie. Je préfère carré au ciseau à bois, ça va souvent bien plus vite à faire les entailles. Enfin pour moi. Voilà. Les entailles étant tracées auparavant, je viens donc placer mon gabarit en face. Ici. Et puis, je maintiens ça avec une presse. Comme ceci. Et avec la toupie, je viens. C'est comme ça. Dessus huilé, là le piétement par avant, première couche d'huile, et puis là je m'apprête à huiler le dossier ici. Voilà, c'est une vieille huile de lin que j'ai diluée. Je passe au pinceau pour que ça rentre bien partout. Appuie bien sur le pinceau pour en mettre, pour bien nourrir mon bois. On peut les vernir, on peut les huiler, on peut les cirer, on peut faire tout ce qu'on veut. Ce qu'il faut, c'est nourrir le bois comme il faut. Avec, mais l'huile, c'est l'avantage, c'est que ça rentre à l'intérieur et ça durcit bien les fibres qui ont une moins superficielle que du vernis. L'atelier n'est pas très chaud, ce qui fait que pas sécher trop rapidement, ça va prendre un peu plus de temps pour laisser l'huile bien pénétrer à l'intérieur. Les fibres. Puis là, des fois, je découvre encore des traces de colle. J'ai beau essayer de les retirer partout, mais alors c'est encore le moment de les tirer comme là. Toujours avec ma lame de bénisse. Oublier de donner un petit coup de papier sablé.
bien dans le sens des fibres. Sinon, ça fait arracher. Voilà, ma tête a disparu. C'est la première couche où ça rentre, ça commence. De poil. Allez. Quand je le voyais pas avant, parce que j'ai pu et une fois la lame passée, un petit coup de papier sablé, puis un peu d'huile, la tache a disparu. Voilà, la chaise est terminée. Allez, celle-ci est finie à la cire. Huile et cire. Le mouvement. Voilà, avec son attache. Voilà, c'est pas une chaise pour aller à l'extérieur, mais ça fait rien.